Ok les mecs, donc moi je suis attachée de presse pour la sortie du film. Donc on va commencer par bosser la promo. Ah non, pas la promo. Quoi? Mais non, mais c'est juste qu'on sait exactement comment ça va se passer. Je veux dire, avec les émissions aux 1000 chroniqueurs aujourd'hui, là, ça va être impossible de parler du film. Je les adore, c'est les petits chouchous, ils sont là, ils sont dans mon petit cœur. C'est la palma, je les adore, ça va les petits chouchous? Mes petites beautés, ils sont contents d'être là? Ouais. Oui, très content d'être là pour parler du film. Bah justement, ça raconte... Ah génial, mais d'abord on se fait les 4 tiers à Jean-Luc. Jean-Luc, tu nous fais tes 4 tiers. Qui aime les 4 tiers à Jean-Luc? Alors oui, alors ce qu'il y a de drôle à un moment, c'est qu'avec David, pendant le film... Ah ça c'est génial, mais d'abord on va se mettre des frites dans le slip. Allez, on s'en bat les couilles, on se fait les frites dans le slip. Tiens, les frites. Ah bah oui, les frites, on a tourné en Belgique. Ah oui, bah la Belgique, alors, super, j'ai une blague belge. J'adore les blagues belges. Je peux vous dire, j'adore les blagues belges. Et donc on peut dire que le gouvernement belge n'a pas réussi à convaincre ses concitoyens. Voilà, l'émission touche à sa fin. Peut-être avant de se dire au revoir, 2-3 mots sur votre film, Grégoire et David. Oui. Ouf, tu touches de deux amis. Génial. Ils sont, ouais. En tout cas, ça donne envie. Et puis avec un peu de chance, on va être invité avec un mec qui fait l'actu. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association contre la maladie de Stoffen. Je comprends. Perdre mon meilleur ami a vraiment été très difficile. Grégoire et David, vous sortez votre film. La folle histoire de Max et Léon. Oui, alors en fait, c'est l'histoire de deux meilleurs amis. C'est important, les meilleurs amis. Donc, ils aiment bien faire la fête. Nous aussi, on adorait faire la fête. Nickel. Eh oui. Puis alors, ensuite, il va y avoir les questions pièges. Ouais, ça, oui. C'est sûr, on va se faire niquer. 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 Donc, c'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est une manière de traiter les conflits actuels. Vous pensez quoi de Daesh? C'est une histoire qui se déroule pendant 4 années, avec des rebondissements, des péripéties, des actions, des rencontres. Vous êtes Charlie? Et donc c'est un film qui sort le 2 novembre. Israël ou Palestine? Puis je suppose qu'à la fin, tu vas nous demander de faire toutes les émissions possibles pour être vu, même celles qui n'ont pas de sens. C'était un super reportage sur les crabes de Saint-Pierre et Miquelon. Y a des crabes dans votre film? Non, je crois pas. Non, pas sûr. Eh ben dommage. Tout de suite, un reportage sur les phares du Finistère. Il y a des phares dans votre film. Salut les copains, comment ça va? Et si vous racontiez aux enfants votre film? Alors ces deux potes, ils adorent se taper des gonzesses, ils font que ça. Et bim, et bim, et bim. Non mais il y a des gosses qui regardent là. Ouais mais du coup je sais pas trop comment... Je sais pas, me demande pas. Ça me fait flipper. Coucou les amis! Oui, on est très très contents d'être là à Touche pas à mon sport. On est super contents d'être dans Touche pas à mes plantes. Très très contents d'être à Touche pas à ma flûte. Oui, vous critiquez la promo parce que vous êtes nul. Non, c'est pas qu'on est nul, c'est qu'en fait, quand on est en plateau... En fait, c'est un exercice. Voilà, on essaye de donner, tu vois, un peu une image de nous. On n'arrive pas à être là, tu vois, il faut montrer, être drôle, en plus un temps donné. Je vous parle en même temps, donc on ne perche pas. En gros, c'est pas notre truc, c'est tout, quoi, voilà. Et zéro de répartie. Zéro de répartie, attends, tu sais quoi? Peut-être que si toi, tu étais là-bas, peut-être que toi aussi, tu serais déjà reparti. Pardon? Ouais, bon, non, pas de répartie, d'accord. Non, on n'est pas mort. Allez, mec, parce que je suis là, moi, je vais vous aider. Donc, c'est quoi la promo? C'est quoi? Eh ben, c'est du jeu. On joue le jeu. Mais oui, faut se marrer. C'est fun. Jeu. Et tout de suite, le palvacho dans l'épreuve du slip dance. T'es obligé d'être pour la France? Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Moulin? Oui, 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 oui,